bienvenue à vous sur la chaîne YouTube L'œil du Celte. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ça va être ce qu'on appelle un reptile tour. Je vais vous montrer toutes mes bêtes en essayant de toutes les manipuler. C'est-à-dire que certaines sont en mue, donc je vais les laisser tranquilles dans le terrarium. Ça vaut surtout pour les serpents. Mais voilà, donc Dana est en fin de mue, on va dire. Léon rentre dans une mue, donc c'est vrai qu'après pour les couleurs, ça sera peut-être moins joli. J'ai mis de l'éclairage. Je vais vous exposer une quinzaine de bêtes, dont le petit dernier, mon Morelia viridis de localité Biac, qui est une petite merveille qui vous en met plein la vue avec ses petites étoiles, enfin ses petits points entre guillemets. Et on va vous montrer le dernier petit né à l'élevage qui s'appelle Mars, donc qui est un petit gecko à crête ou Coreliaphus ciliatus, tous, qui est d'une couleur assez exceptionnelle. Donc je vais vous montrer ça, je vais essayer de vous faire un gros plan. Je vais faire marcher le Digimob en ayant un suivi des reptiles avec un mouvement de la caméra, donc j'espère que ça va être précis, que le zoom va bien fonctionner, que ça va être bien net. N'hésitez pas déjà à vous abonner si vous découvrez la chaîne, et n'hésitez pas déjà à liker, à mettre des pouces bleus. Je vais pas vous demander un pouce bleu à chaque bête, parce que sinon je vais en avoir 4000 et ça correspond et ça va faire bizarre. Goldorak et moi, fulgure au point, on y va, on vous montre tout ça en image, c'est parti. Voilà, on commence par Dana. Voilà, donc comme vous voyez, elle est en mue, une partie de sa queue s'est déjà passée, là il reste toute la queue, il y a des petits morceaux qui s'en vont, hop, hop, pour la fun, voilà. Donc là vous êtes sur un Salvator Marianae ou Teju d'Argentine, donc une espèce qui est assez grosse, Anana fait un mètre, à peu près un mètre, on va enlever tous ces morceaux là, voilà. Voilà, donc, oh, calme-toi maintenant, hop, 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 voilà. Hop, voilà. Voilà. Ah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi, elle avait un peu de poussière sur le pif. Bon. Voilà donc ce que c'est un Teju d'Argentine. C'est une espèce qui est assez calme à l'origine. Bon, après, tout dépend des spécimens. J'en profite pour t'enlever de la mue, on va t'emmener au bain après. Voilà, donc faire attention avec ce genre de bête parce que la morsure et les griffes sont assez impressionnantes. Voilà, donc c'est une belle bête qui fait plus de 3,5 kg. Donc avec un grand, grand terrarium. Voilà, ça c'est Dana. Voilà, là c'est Léon, donc mon iguane bleu. Hop, on va revenir là. Donc toujours aussi bleu, une belle queue. Des bonnes griffes, c'est surtout les griffes. Comme vous pouvez le voir, ça s'accroche très très bien. La preuve, je ne sais pas si on va voir. Voilà, donc un petit iguane bleu d'un peu plus d'un an, qui fait environ 80 cm. Voilà, donc... tout le monde le trouve beau, et après je comprends, il est d'un bleu magnifique. Alors il est assez compliqué à aller chercher, mais une fois qu'il est en main, c'est assez simple de l'avoir, c'est juste le début. Il est assez cool en main, mais c'est vrai que dans le terrarium c'est autre chose. Donc j'espère que les couleurs rentrent bien, j'ai mis un éclairage derrière pour vraiment faire ressortir ces couleurs. C'est une bête qui est vraiment assez sympa. Bon, faut, comme je dis, faut prévoir un très grand terrarium, là on est sur un terrarium d'appoint, ça sera un terrarium beaucoup plus grand par la suite. Voilà, on va le remettre, vous allez voir comment il explique, comment il est heureux quand je le remets dans son terrarium. Comme vous voyez, les griffes, il s'est juste accroché à ma main, c'est vraiment, c'est juste posé, hein. C'est même pas, vous voyez, voilà, et ça laisse des traces. On passe à, oh, il n'est pas content, bon, on va pas manipuler trop longtemps. On est sur Bobby, le petit Pogona, donc c'est un petit Pogona qu'on nous a donné. Voilà, qui est, alors c'est vrai qu'au début, comme vous le saviez, les pogonas, j'aime tous les reptiles, mais c'est vrai que c'était pas ma priorité, et depuis que je l'ai, je pourrais, entre guillemets, ne pas m'en passer. Hein. D'habitude, il le fait pas. Là. Ouais, vous voyez, là, ça prouve qu'il n'est pas content, donc on va pas l'embêter plus longtemps. Donc un petit pogona, alors autour de 5 ans, à peu près. Voilà, donc ne me demandez pas la phase, j'y connais strictement rien. Mais voilà, donc comme vous pouvez voir, monsieur est en pleine forme, il a un beau petit ventre. Voilà, alors par contre, je vais le reposer, hein, je ne manipule pas trop longtemps. Moi, dès que je vois que ma bête, elle est en stress, c'est pas la peine, on repose, voilà. Donc là, on est sur la petite... Oh là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi elle est comme ça. Elle mange ce soir. Voilà, c'est tout simplement... Waouh, vous avez vu, mon doigt, il n'était pas loin. Ah bah, elle m'a touché. Elle m'a touché. Eh, je vous mens pas, hein. Elle, je vous mens pas, elle m'a juste touché, je viens de le sentir à l'instant.
Donc là, on est sur une femelle Morelia viridis biac. Ma petite teigneuse, voilà. Donc c'est une super localité, mais qui est un peu plus nerveuse que les autres. Je m'en suis même pas rendu compte qu'elle m'avait chopé le bout du doigt. Voilà. Donc on va dire manipulable, mais lorsqu'elle a faim, c'est même pas la peine. Voilà. Et ça, c'est une espèce. C'est ma localité préférée. Et boum, encore une attaque. On va aller. On va pas la stresser trop longtemps. Comme vous pouvez voir, c'est des serpents. Voilà quoi. Faut aimer ce genre de caractère, voilà. Moi, c'est un surkiff total, mais voilà. Donc, on va essayer de voir si je peux filmer sa tête sans qu'elle tape. Voilà. Voyez un peu la beauté. Voilà. Là, je vous montre Cosmos, le dernier reptile qui est arrivé à l'élevage. Donc là, on est sur un Morelia viridis de localité Biak. NC octobre 2018. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est prenez-en plein les yeux. C'est une tuerie visuelle, je le dis franchement, je le répète à chaque fois. Ce serpent est magnifique, il est de toute beauté. Je vais essayer de vous montrer sa petite gueule bleue, si il veut bien se laisser faire. Ou pas. C'est toujours compliqué de manipuler un serpent sans lui. Moi, c'est vraiment. Voilà. Ah super, ah bah merci bonhomme, tu as été cool. Ouais. On va pas l'embêter trop longtemps. Voilà, je vais le remettre dans son terrain. Bon, il faut savoir que lui aussi mange ce soir. Et vous voyez la différence, c'est qu'il est beaucoup plus facile manipulable. Alors c'est pas une femelle non plus. Alors est-ce que c'est dû au sexe ou pas? Je sais pas. Mais bon, voilà, pour vous dire que c'est un serpent magnifique. Pareil que la femelle, localité biaque, mais avec. Ah, c'est la première fois. En passant la main, eh ben, j'ai touché la puce. Je sais où elle est. Elle est là, elle est juste là, ça fait une petite bosse, je le sens, c'est génial. Voilà, bon, on va le reposer, on va pas le stresser trop longtemps. Donc je trouve qu'il est un petit peu plus terne, donc je pense que monsieur rentre en mue. Voilà, enfin ça laisse quand même présager de la beauté de la bête. Et t'es superbe. Voilà. Là, je vous présente Tico. Mon premier serpent. Alors c'est vrai que tous n'ont pas un nom, mais on essaie de faire en sorte. La femelle Biak, c'est Esmeralda. Le mâle, il s'appelle Cosmos. Et là, vous avez Tico, mon premier serpent qui. Oh, je me rappelais plus qu'il était aussi lourd. C'est vrai que lui, je le manipule une à deux fois par mois, grand maximum. Donc lui, alors si je ne dis pas de bêtises, il va sur ses 8 ou 9 ans. Voilà, comme vous pouvez le voir, les pitons Régis sont quand même de gros serpents, un peu plus massifs, bon, assez craintifs, donc ça se cache énormément, mais voilà. Donc là, on est sur du classique, qui est pour moi, alors je le dis encore une fois, quand on a un élevage de pitons, avoir un classique, c'est la base. Et je continuerai à le dire jusqu'à ce que tout le monde m'entende. Voilà. La suivante, qui est une madame, là on est sur une femelle pastel. Alors, je le dis à chaque fois, pastel quelque chose, mais c'est une pastel. Elle est super cool aussi au niveau de la manipulation. Donc, comme vous pouvez le voir, Python Régis aussi, ou Python Ball. Voilà. Elle est hyper, 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 hyper calme. C'est un truc de fou. Elle est hyper facile à manipuler. Donc voilà, pareil, gabarit, là on est sur une femelle qui est quand même beaucoup plus récente que le mâle que je vous ai montré avant. Mais vous voyez, hein, ça grandit assez vite. Les couleurs sont magnifiques. Le pastel, c'est vrai que c'est une mutation que je vous recommande énormément par la beauté. Et surtout, alors je ne sais pas si on va réussir à le voir. Ça a des yeux très très clairs. Non, attendez, je ne sais pas si. Ça va être un peu plus compliqué là, mais c'est pas grave. Mais bon, ça a des yeux beaucoup plus clairs. J'essaierai de vous faire un petit zoom si je peux le faire. Mais ça a des. Quoi que je suis nul. On va essayer de faire un petit zoom sur sa tronche. Hop. Bon, c'est pas grave. Attendez. Ah ouais, voyez les yeux beaucoup plus clairs. Et c'est assez sympa quand même quand on regarde une petite tête. Surtout que les têtes des pitons régis sont quand même assez agréables à observer. Voilà, ça c'est une petite femelle pastel. La suivante, c'est une femelle spider, het
Pitbull. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne et qui la suivent, c'est une femelle qui a reproduit, et je vous montrerai juste après sa fille. Donc l'avantage de cette femelle, donc, c'est qu'elle peut, avec un mâle Pitbull, faire du Pitbull, ce qui est quand même une des mutations les plus sympas, on va dire, dans la terrario. Donc là, on est sur une femelle, vous voyez, déjà au niveau gabarit, c'est autre chose. Elle a un marqueur qui est un pattern qui est assez effacé par rapport à ce qu'on voit d'habitude en termes de spider. Mais voilà, c'est une superbe femelle. Elle sort juste de nuit, donc là, vous l'avez à sa plus belle robe. Mais vous voyez, hein, pour ceux qui connaissent les spiders, le marqueur est très, 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 très effacé par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Elle est vraiment super belle. Et quand je vais vous montrer ça, la petite qu'elle a pondue, puisque ça c'est ovipare, des œufs ovo-ovipare, ça fait des petits touffets. Donc c'est juste un petit, entre guillemets, rappel. Voilà, donc pareil, Python Régis ou Python Ball. Alors voilà, pour ceux qui la connaissent, donc là on est avec Bianca, donc la petite femelle issue donc de ma spider. Donc là on est sur du spide, c'est-à-dire spider pitbull. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a un marqueur au niveau de la tête qui est très très effacé. Normalement, le spide, normalement vous avez toute la tête avec le pattern et le coloris, bien sûr, du spider. Mais là, vous voyez, moi c'est juste... le petit haut de la tête, le petit médaillon de la tête. Donc celle-ci se prénomme Bianca, donc toujours Python Régis ou Python Ball. Donc là, on est sur un spécimen qui grandit tout doucement. Mais vous voyez, hein, depuis que vous l'avez vu, il faut savoir que ça fait entre 30 et 40 grammes lorsque ça naît. Là, on est à, si je ne dis pas de bêtises, on est dans les 400 grammes, je crois. Mais bon, voilà, c'est une femelle que je ne mettrai pas en repro. Je ne fais plus de repro Python Régis comme je vous l'ai déjà dit, donc voilà, je vais la laisser grandir tranquillement. Voilà, c'est une petite beauté, j'espère que la beauté de la bête ressort bien en caméra, mais c'est une merveille, hein. C'est voilà, quand en plus ça, c'est issu de votre propre élevage, votre propre repro entre guillemets, parce que c'est ça, hein, franchement quel plaisir et quelle fierté, on va dire. Voilà. Pour ceux qui connaissent ma magnifique femelle boa du Brésil, alors je ne vais pas la manipuler trop longtemps parce que je vois que ses yeux commencent à se ternir et elle a une couleur qui est assez sombre et voilà, donc je pense qu'elle rentre en mue et c'est pour ça qu'elle est un peu plus speed que d'habitude, un peu plus craintive. Mais vous voyez, hein, elle a un an et regardez un peu la taille. Ça commence vraiment à être sympa, elle est lourde. Très lourde et pourtant je la nourris vraiment avec une cadence, on va dire, non soutenue. Je lui donne pas à manger toutes les semaines, mais je peux vous assurer que regardez un peu. Non mais là je vois, elle rentre en mue. Donc on va la reposer tout de suite. Ça sert à rien de faire de la manipulation pour rien. Voilà, je m'en rends compte vraiment. Oh, non mais regardez un peu. Et elle a 14 ou 15 mois, donc c'est vraiment, vous imaginez un peu, quand elle sera adulte, c'est un rêve cette espèce. D'avoir un boa constrictor du Brésil, c'était un rêve. Avec le red tie, la queue, vous voyez comment la queue est marquée. Voilà, allez, on va la reposer. Sublime. Je vous la montrerai en photo, je vous referai des photos lorsqu'elle sortira de nuit. Ce sera quand même beaucoup plus sympa au niveau du visuel. Bon, allez, je te repose. Elle est trop belle. Ah, je suis trop fier. Mais quand je dis fier, je suis vraiment très fier, quoi. On y va? Ou on revient? Ah, vous en voulez encore, hein? Elle est vraiment belle. Alors là, on va présenter les gecko à crête, les vieux, parce que ceux que je vais vous présenter, certains ont plus de 10 ans. Alors... on va se mettre en dehors de la lumière. Voici une des jolies femelles de mon élevage. On va se mettre... voilà. Voilà. Et de une. Hop.
Et la deuxième mémère. Alors, il y a du chocolat dalmatien, il y a du fire flame dalmatien. Voilà. Hop, allez, je te repose. Le troisième. La troisième, elle est là. Hop, viens là. Alors, ça, c'est du chocolat dalmatien. Elle, c'est une sauteuse. Je vais vous montrer. Hop. Ça, c'est une espèce qui est assez marrante. Oh, bon, j'ai perdu une feuille. Où est-ce qu'elle est maintenant? Elle est là. C'est que ça saute un peu partout. Je vais vous montrer. Hop, on va faire le tour des plantes. Voilà. Voilà où elle est. Allez, viens. Hop. Voilà. Hop. On va la remettre dans son habitat. Alors, le dernier qui est un normalement zébré ou je sais plus comment ils appellent ça, tigré. Vous voyez que le pattern est hyper différent des autres. Et ça, c'est issu de mes propres repros. Voilà. Gécoacrète, Coreliophus, Ciliatus et en muche en plus. Waouh. Ça, je vous l'assure, pour un débutant, c'est le top. En plus, quand vous voyez la qualité des terrariums qu'on peut faire. Donc là, je vous présente Alfred qui est issu d'un sauvetage. Donc là, on est sur un chocolat dalmatien. Donc on voit bien les points noirs. Donc lui, pareil, assez vieux. J'ai des gécoacrètes qui ont, j'en ai quelques-uns qui ont vraiment plus de 10 ans. Et voilà quoi. Qui sont magnifiques. Voilà, lui, il est en mue. Hein, il est très très clair là parce que la mue va pas tarder à arriver. Ça, c'est le petit mâle reproducteur. Donc, on avait mis avec les quatre femelles. Et vous voyez, lui aussi, pareil, une très, 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 très belle robe. Magnifique phase. Tiens. Là, la petite squatteuse. Voilà. Donc, ça, c'est... magnifique. Là, on voit bien que c'est un mâle. Hein. Mais voilà, c'est une espèce, franchement, si vous vous lancer dans la terrariophilie et que vous aimez les petits lézards, c'est des espèces qui sont faciles à manipuler. Pas à outrance, comme je dis à chaque fois. Mais voilà, quoi. Regardez un peu. Et voici le petit dernier, issu de mes repros. Donc, alors, ceux qui ont vraiment des connaissances en phase de gécoacrète, j'attends vos... entre guillemets, conseil au niveau de voir quelle robe c'est, enfin quelle face plutôt, et voilà. Alors le problème, c'est que comme il est petit, ça a du mal à faire un zoom. Oh là 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 là. Vous avez vu la couleur? C'est impressionnant, hein, je vous dis franchement. Voilà. Voilà le dernier spécimen du cheptel. Donc un petit pouce bleu pour le petit dernier de la famille. Voilà, qui est... Oh là là, pff, il est magnifique. Il est super beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce petit dernier. Donc prénommé Mars. Il ne faut pas que je me trompe dans les prénoms. Il y a Mars, Nubia, Teria, Luna, Alfred. Voilà, il y a quelques prénoms encore qu'on doit trouver, mais voilà. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo cheptel, donc reptile tour. J'espère vraiment que ça vous a plu, comme ça vous avez pu voir la beauté de mes bêtes, l'étendue de mes petits protégés. Enfin voilà, que je suis hyper fier d'avoir tout ce beau cheptel. Vous avez des commentaires, n'hésitez pas, on le balance. Si vous avez des choses à me dire, sur l'adresse qui s'affiche en dessous, donc sur Instagram, l'œil du Celt YouTuber, n'hésitez pas à venir me parler, je réponds à tout le monde sans exception. Voilà les amis, donc on n'hésite pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, c'est important. Cette petite cloche qui permet de suivre la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes, prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao ciao.